Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour souligner la fête de la Saint-Valentin, j'aimerais vous proposer une activité pour vous faire bouger au son de la musique avec différents accessoires. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu mes vidéos, que j'essaie d'offrir des activités qui conviennent à tous les enfants, incluant les enfants à mobilité réduite. Donc, c'est pour ça que pendant les activités, je vais proposer des fois des façons différentes de faire le même mouvement pour que tout le monde puisse participer. Certains auront besoin d'aide. Je vais proposer aussi des façons de pouvoir les aider. Donc, je fais ça vite pour qu'on puisse rapidement commencer à s'amuser. Vous aurez besoin de quelque chose qui fait du bruit, que ce soit une maracas, que ce soit un jouet qu'on peut secouer et qui fait du bruit. Ça pourrait même être une bouteille, genre une bouteille de yop ou quelque chose comme ça qu'on a mis des petits grains dedans. Donc, quelque chose qui fait du bruit. Ensuite, on va aussi utiliser des foulards. Moi, je les ai choisis rouges spécialement pour la Saint-Valentin. Ça se peut que vous n'avez pas des foulards comme ça, mais vous pouvez prendre un bout de tissu que vous avez. Ça pourrait même être, à la rigueur, un linge à vaisselle. Pour les enfants pour qui c'est habituellement, c'est assez facile à prendre, surtout quand c'est léger comme un voilage. Mais sinon, une façon de faire pour les enfants qui ont de la difficulté à le tenir, on peut simplement l'attacher au poignet de l'enfant et quand il va bouger son bras, que ce soit dans les airs comme ça ou sur son plateau de fauteuil roulant, il va avoir le bonheur de voir de la couleur comme ça qui va bouger au son de la musique. On va utiliser aussi, ça se peut que vous en ayez pas. Moi, je vous en parle pareil parce que la plupart des enfants que je connais adore jouer avec ces pompons-là, simples à trouver dans les doloramas, surtout au printemps et à l'été. Donc, si vous avez la chance de vous en procurer pour une autre fois, ça pourrait être intéressant. C'est très léger, très coloré et très amusant. Certains enfants vont même les prendre par ici s'ils n'arrivent pas à le tenir par les poignets. Alors voici, je vais aussi utiliser des pompons que j'ai fabriqués moi-même à l'aide d'une bande élastique. En fait, c'est deux choux, des choux, on peut acheter ça là, pour mettre sur les cadeaux. J'en ai mis deux ensemble. Puis, en plus, c'est intéressant parce qu'ils font du son. Je vais aussi, moi, utiliser un ruban comme celui-là. Si vous en avez, c'est intéressant. Mais si vous n'en avez pas, ça peut très bien aussi être, je vais vous montrer. Moi, j'en ai fait deux différents. Un avec plein de rubans sur un anneau comme celui-ci. Ou encore un autre qui est sur une bande élastique que je vais pouvoir mettre dans mon poignet. J'ai pris toutes sortes de rubans, là, même des rubans d'emballage. Ça peut très bien faire pour avoir un nouvel accessoire de danse. Donc, sans plus tarder, je vous propose la première chanson qu'on va travailler ou on va plutôt s'amuser avec les maracas. Alors, bougez pas, je dois aller sur mon autre écran, choisir la chanson. C'est parti! Et on va jouer de la maracas, on fait du bruit les amis. J'aime ton costume et ton rond, tes joues, tes yeux et ton menton. Je t'aime plus gros que la terre, bien plus grand que l'univers. N'oublie pas que je suis là, si tu as besoin de moi. Moi je t'aime comme tu es, tes défauts, tes cœurs.
C'est pas grave si les amis ne suivent pas le rythme. L'important, c'est qu'ils essaient de faire du bruit avec leur instrument. Des amis qui aiment quand ça rock, ça va être le temps. Moi, je vais utiliser mes pompons, mais à vous de choisir quelque chose que vous allez pouvoir secouer et qui va faire plein de couleurs. Attention, je vous dis, ça va partir fort! Est-ce que tu m'aimes? Avec moi. Maintenant, je vous invite, je suis en train de perdre la voix, j'ai trop fait de vidéos aujourd'hui, je vous invite à prendre vos foulards pour une chanson qui va être un petit peu plus douce. Ouais, celle-là. On peut rester assis si on veut. As-tu vu la lune quand elle est toute ronde? On peut se balancer sur notre chaise. Quelques secondes pour qu'elle te sourie et que vos yeux se fondent et que vos yeux. Il te caresse
Chose ensemble. On va mettre plein d'amour. On donne un gros bisou à notre boule d'amour. Puis on va la lancer là jusqu'au ciel. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider. On l'envoie dans le ciel. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Wouh! On vient d'envoyer plein d'amour jusqu'au ciel. Et maintenant, je vais te proposer de prendre soit des pompons ou des rubans comme ça sur un élastique que tu vas pouvoir mettre après tes mains, comme ceci. Et on va faire une autre chanson qui bouge un petit peu plus. Ben, un petit peu plus que celle qu'on vient de faire. C'est celle-là, hein? On va taper les mains. Pour te dire que je t'aime, je peux te voler des baisers. Ou je peux t'écrire un poème, ou juste te regarder. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que je t'aime, je t'offre ma spécialité. Un bon gros gâteau à la crème, ton dessert préféré. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On tape des mains si on est capable. Pour lui dire que je l'aime, je peux brosser mon beau chien, le flatter
je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vrai qu'on peut aimer son chien aussi, hein? Ou son chat. Ou te dire que je t'aime. Je veux te souffler des baisers. T'envoyer des surprises ou des courriers. Ou juste te dire je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est vrai les amis qu'il y a toutes sortes de façons de dire je t'aime. On peut le dire comme ça, en croisant nos bras sur notre cœur, hein, je t'aime. On peut le dire comme ça aussi, je t'aime. On peut le dire en envoyant des becs soufflés. On peut le dire en regardant la personne avec des yeux qui l'aime, en se collant aussi. Il y en a beaucoup des façons de dire je t'aime. On peut le dire en toutes sortes de langues aussi. Alors, c'est ce qu'on va faire dans la dernière chanson. Je te propose, si tu as un grand ruban ou bien plusieurs rubans que tu pourrais attacher à ton poignet. On va finir avec cette chanson douce-là. Puis moi, pour te faire plaisir, je vais faire danser mon grand ruban devant l'écran pour toi spécialement. Puis, s'il y a des amis qui ont les bras un peu fatigués, tu peux juste écouter la musique puis te bercer. Ou encore, si tu es dans ton fauteuil roulant puis qu'il y a un adulte disponible qui pourrait juste te faire bouger en douceur avec ton fauteuil, je te souhaite de passer un beau moment sur cette belle chanson qui s'appelle « Mille façons de dire je t'aime ». Pour toi. J'aime ma maison et j'aime mon chien. Et ce soir, j'aime bien ma sœur. J'aime mes grands-parents qui vivent ailleurs. Ils sont loin, de très loin, les meilleurs. Je vous le dis, c'est quoi?
C'est comme ça qu'on finit avec plein de mots d'amour. Je te souhaite une super belle Saint-Valentin. Puis je te souhaite que les mots d'amour fassent partie de ta vie à tous les jours, pas juste à la Saint-Valentin. Je t'envoie un bec soufflé. Je te dis, je t'aime. Oui, je t'aime. Bye!